dans ma poche mon écritoire avec le même cérémonial. D'abord délicatement stylo, puis vient la feuille virginale. Le temps écho suspendu par une force méconnue. Je suis assis sur un banc, l'inspiration sera la bienvenue. Un prisonnier de nos pensées, ils nous font bien extérioriser, canaliser, exorciser, cicatriser ou expirer. Trouver une issue de secours, le dernier suprême recours. Trouver une route de secours pour que le voyage puisse enfin suivre son cours. Alors on parle chaque jour qui passe, un contrat unique avec le public. Un contrat unique avec une éthique, comme un acte authentique. L'écriture, c'est la fenêtre sur cours d'où provient cette lumière, celle qui éclaire nos cœurs dans leurs moments les plus obscurs et solitaires. Pour toutes ces raisons, nombreuses ratures et de pages déchirées, on ne compte même plus les kilomètres d'encre séchée avant de poser notre encre. Et même si on écrit en vain, qu'on se prétend pas écrivain, on veut exprimer par l'écriture ce que nos bouches ne peuvent pas dire. Pris à l'estomac, et cherchant à obtenir le meilleur de soi, dans un moment intime, comme une sensation ultime. Et après tant d'années d'efforts, enfin s'entendre dire que ceci soit écrit et accompli. On n'écrit pas sur le bonheur quand celui-ci sonne à notre porte. On n'écrit pas sur l'âme sœur quand elle vous sourit tous les soirs. On écrit sur ce qui nous manque, nous blesse, ce qui nous offusque nous-mêmes, ce qui nous fait dire que la vie est brusque. On n'écrit pas sur le bonheur quand celui-ci sonne à notre porte. On n'écrit pas sur l'âme sœur quand elle vous sourit tous les soirs. On écrit sur ce qui nous manque, nous blesse, ce qui nous offusque nous-mêmes, ce qui nous fait dire que la vie est brusque. Mon issue de secours, c'est l'écriture de tous les jours qui a jonché mon parcours et à qui j'ai donné le jour. De mon cœur et mon corps, une fenêtre sur le dehors, vue sur l'envers du décor, dans des verts couloirs de corps, une rythmique forte, des rimes tuant comme un code, le poison son antidote, savoir reconnaître ses vrais potes, dans un milieu de pute, chantant ma symphonie en ut, œuvrant sans cesse pour ma lutte, afin de ne pas connaître la chute. Moi je te parle de la vie, de l'amour ou de la folie, de l'horreur, de l'ennui, ou bien de la joie et des amis. Je rappe pour tous les quartiers, pour les bourgeois, les paumés, pour ce qu'un jour trouvé, je réconforte dans ce que l'on fait. J'irai poser une gerbe sur la tombe des rappeurs en herbe qui ont trahi la plèbe, ainsi que ses fins manières de verbe. Voici mon exutoire incolore, tu ne peux l'apercevoir, mais seulement percevoir ces ondes perforant l'auditoire. Celles qui m'ont permis m'éloigner de certains ennuis à une époque de ma vie où j'avais un pied dans l'infamie, de mes débuts aux ateliers en crevard jusqu'à sélection espoir. Est-ce le fruit du hasard, ce retour à la case départ, envie de tourner la page, comeback à la source et son breuvage. Y'a toujours pas de visage sur les quartiers de mon lettrage. Je referai pas le monde, non, juste réfléchir quelques secondes. Pour nous écrire c'est notre bombe, et demain on fait sauter vos ondes. On n'écrit pas sur le bonheur quand celui-ci sort notre porte. On n'écrit pas sur l'âme sœur quand elle vous sourit tous les soirs. On écrit sur ce qui nous manque, nous blesse, ce qui nous offusque nous-mêmes, ce qui nous fait dire que la vie. On n'écrit pas sur le bonheur quand celui-ci sonne à notre porte. On n'écrit pas sur l'âme sœur quand elle nous sourit tous les soirs. On écrit sur ce qui nous manque, nous blesse, ce qui nous offusque nous-mêmes, ce qui nous fait dire que la vie est brusque.